Bonjour, c'est notre 10e match et le dernier en deuxième année dans cette grande rencontre. On aura d'autres en première année aussi, bien sûr, un peu plus tard. Et les deux équipes en forme aujourd'hui sont les Cyclones de Saint-Joseph avec Mathias. Bonjour Mathias. Salut. Bonjour Élie Rose. Bonjour. Salut. OK. Bonjour Gédéon. Salut. Bonjour Gabriel. Allô. Bonjour Mia. Bonjour. Bonjour Antoine. Salut. Vous êtes en forme? Oui. Probablement. Vous allez jouer avec les éclairs de Saint-Joseph, vos amis. Avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour Charlotte. Allô. Bonjour David. Bonjour. Et bonjour Marc-Antoine. Salut. Vous allez bien aussi? Ouais. Oui. Alors Mathias, tu choisis entre santé et sécurité, notions scientifiques ou vêtements? Vêtements. Vêtements. Tout le monde prend sa manette, ce sont des collectifs. On est prêts? On y va. Quel vêtement est porté par-dessus les autres habits pour nous protéger du froid durant l'hiver? Mathias. L'habit de neige. Un habit de neige, c'est bon. Un manteau, c'est bon aussi. Pas de problème. Deuxième question. Quel vêtement utilise-t-on pour se baigner? Alexandre? Un maillot de bain. Un maillot de bain, c'est correct. Vêtements qu'on porte pour aller dormir? Pour Gédéon? Un pyjama. Oui, c'est bon. Il y en a aussi qui mettent des jaquettes. C'est bon. Quatrième question. Comment nomme-t-on la bande portée autour de la taille pour retenir un pantalon ou une jupe? Pour David? Une ceinture. Ceinture, bravo. Alexandre, c'est toi qui choisis maintenant entre santé et sécurité ou notions scientifiques? Santé et sécurité. OK. Ce sont des collectifs. Il y a un choix de réponse pour la première question. Vous pouvez attendre que j'ai fini de les donner. Comment réagir si tu croises un ours? On crie pour se faire aider, on s'enfuit rapidement ou on reste calme? Pour Mathias. On reste calme. Essaye, mais c'est bon. C'est ça la bonne réponse, mais ça, c'est ce qu'ils nous disent de faire. OK, deuxième question. Pourquoi ne doit-on pas courir avec la nourriture dans la bouche? David? On peut s'égorger. Tu pourrais quoi? S'égorger. S'égorger? Oh, non, réplique pour Gédéon. On peut s'étouffer. Oui, c'est mieux étouffer qu'égorger. Égorger, ça veut dire couper la gorge. Voilà. Oups! OK. Parce que tu pourrais tomber, t'étouffer, etc. C'est pas drôle, ça. Troisième question. L'asperge fait partie de quel groupe alimentaire? Oui, Gédéon? Des légumes. Oui, légumes et fruits, c'est correct. Et quatrième, que fais-tu si tu trouves une lame? Pour Alexandre? Tu la touches pas. OK. Puis qu'est-ce que tu ferais après? Tu t'en vas. C'est bon. Puis, je pourrais le dire à un adulte, il y a une lame là pour pas que d'autres puissent se blesser avec. C'est correct. Il nous reste dans ce bloc-là une série. Notions scientifiques, ce sont des vis-à-vis. Alors, Mathias et Alexandre, pour vous deux seulement, la première question, la voici. Quel liquide est le plus nécessaire à la vie? Alexandre? Le sang. Le sang, c'est bon. Et ça pourrait être aussi l'eau. Deux réponses qui auraient pu être acceptables. Élie Rose et Charlotte. Il faut être vite. Comment se nomme l'appareil qui sert à peser des objets? Élie Rose? Une balance. Une balance, c'est bon. Gédéon et David. Quel nom donne-t-on à une pièce de métal qui a la capacité d'attirer le fer et certains autres métaux? Pour David? Un aimant. Exact. Et pour Gabriel et Marc-Antoine, comment se nomme la minuscule quantité d'eau de forme arrondie qui tombe d'un nuage? Pour Gabriel? Une goutte. Une goutte. On va souhaiter la bienvenue à deux joueurs qui se joignent à nous. Bienvenue Antoine. Bonjour. Bonjour. Essaye ta manette pour voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Et Mia, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, la manette. Parfait. Et le pointage de du premier bloc, c'est très serré, nous dit-on. C'était 7-5 en faveur des cyclones. Et 7-5 est juste deux points de différence. On va voir Alexandre maintenant qui choisit parmi les blocs suivants. Garfield, vocabulaire, géographie, personnage ou sport extrême? Garfield. Garfield. Alors, on commence avec Mathias, c'est le relais. Mathias? C'est quoi le relais? C'est le relais, c'est le rachat plutôt. Alors, deux points si tu as la bonne réponse. Un point pour être racheté par l'équipe. Comment se nomme l'ourson de Garfield? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un dans l'équipe le sait? Oui, Antoine? Tout. Non, c'est Pookie. Deuxième question pour Élie Rose.
Comment se nomme le maître de Garfield? Non? Quelqu'un ici dans l'équipe? Oui, Antoine? John. John, c'est bon. John Arbuckle, son vrai nom. John. Mia, quelle est l'activité préférée de Garfield? Dormir. Oui, c'est bon pour 2 points. Antoine, comment se nomme le chaton le plus mignon du monde? Quelqu'un dans l'équipe le sait? Oui, Mathias? Mignon? Non, c'est normal. On s'en va voir Alexandre maintenant et son équipe. Alexandre, on continue avec Garfield. Comment se nomme le chien que Garfield aime tyranniser? Non? Racha dans l'équipe. Quelqu'un ici dans son équipe? Oui, David? Luca? Non, c'est Audi. Charlotte, quel est le plat préféré de Garfield? Racha dans l'équipe. Oui, c'est Marc-Antoine? De la lasagne. Oui, c'est bon pour 1 point. David, comment se nomme la petite amie de Garfield? Racha dans l'équipe. Oui, Alexandre? C'est Liam. Non, c'est Arlène. Et pour Marc-Antoine, quel jour de la semaine Garfield déteste-t-il le plus? Dimanche? Non, c'est pas le dimanche. Racha dans l'équipe. Pour Alexandre? Mercredi. Et non, c'est le lundi. C'est ça. Parce que là, il faut retourner travailler. Mathias, tu choisis maintenant entre vocabulaire... OK! On était prêts! Sport extrême, c'est collectif. Donc, tout le monde joue, on est prêt? On y va. C'est un sport qui consiste à se jeter dans le vide avec une corde élastique accrochée aux chevilles ou au torse. Pour Antoine? De l'escalade. Non, réplique. Pour Alexandre? Eh bien, c'est le saut à l'élastique. On dit le bungee des fois, mais c'est le saut à l'élastique. Deuxième question. C'est un sport qui consiste à chuter, sauter d'un avion pour ensuite retourner... Oui, Mathias? Parachute. À l'aide d'un parachute, non, c'est pas ça. Réplique. C'est plutôt quoi, Alexandre? Parachuteur? Non, c'est le parachutisme. Ça va être moins un hein, pour Mathias. Parachutisme, qui est le sport. Troisième, c'est un sport de compétition motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout-terrain accidenté. Antoine? Des autos de course? Non. Réplique pour Alexandre? De moto. De moto quoi? Motocross, c'est bon, ou BMX. Bicycle motocross, c'est bon, pour 1 point. Et dernière question là-dedans, c'est une pratique sportive qui consiste à grimper en haute montagne. Pour David? Escalade. Escalade, on va l'accepter, ou alpinisme, c'est bon aussi. Les deux étaient des bonnes réponses. C'est David. Alexandre, maintenant, tu choisis entre vocabulaire, géographie ou personnage. Personnage. Personnage, c'est une association. On va vous distribuer une feuille. Sur la feuille, il y a 3 dessins. 3 dessins de personnages sur les et à partir desquels vous allez devoir faire des lignes pour les relier à leur nom. Et il y en a un qu'on n'a pas donné. Un nom qu'on n'a pas donné, vous devez le trouver. On y va? On laisse devant, comme ça. OK. Tournez la feuille. C'est parti. On travaille en équipe. Il manque. Trouver, c'est ça. Alors, il faut associer le personnage de l'émission Muffy à son nom. Je vais trouver là. Donne la feuille. On remet la feuille à Antoine et à Marc-Antoine, puis on les remettra. Non, ça, c'est pour. De
Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi prévention jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord et Desjardins. OK, on va ramasser les feuilles. Voilà. Alors, le premier personnage, c'était qui? C'était Muffy, justement. Le deuxième personnage, c'était... À trouver. Carrie. Non, il n'était pas à trouver. Non. Non. Et c'était plutôt le dernier, Mogu. Et le premier, c'était lui à trouver, puis c'était Muffy, c'était le héros de l'émission. Vous ne regardez pas cette émission-là souvent, hein? Moi, je l'avais déjà écouté. Je l'avais déjà vu, mais... OK. Alors, c'est qui a choisi personnage, là? C'était Alexandre. Donc, Mathias, tu vas choisir entre vocabulaire, géographie. Géographie. Géographie, c'est un chassé-croisé. Alors, Mathias et Marc-Antoine, première question pour vous deux seulement. Géographie. Quelle couleur utilise-t-on pour représenter une étendue d'eau sur une carte géographique? Mathias et Marc-Antoine. Mathias? Tsunami. Non? Marc-Antoine? Je sais pas. C'est bleu. Alors, quand tu regardes une carte, si c'est bleu, généralement, c'est de l'eau. Et on me suggère de donner les points pour l'association. Tout à l'heure, ça a été 1 à 2 en faveur des cyclones. Hein? C'est difficile, ça, là. 1 à 2. Hein? Pour Élie-Rose et David. Quel mot désigne la sphère ou boule représentant la Terre et les pays? C'est pour Élie-Rose et David. La sphère ou la boule qui représente la Terre et les pays. Ça s'appelle comment? Oh! Pour David? Un astéroïde? Non. Élie-Rose, est-ce que tu as une idée? C'est un globe terrestre. Pour Mia et Charlotte. Quelle direction est l'opposé de l'ouest ou est opposée à l'ouest, Mia? L'est. L'est, c'est bon. Et quatrième question pour Antoine et Alexandre. Combien y a-t-il de points cardinaux? Alexandre? 4. 4, c'est bon. Et il nous reste une seule catégorie et c'est vocabulaire. C'est une catégorie collective et on va terminer notre grande rencontre avec ces quatre questions-là. Tout le monde joue. Corrige la phrase suivante. Assisez-vous, on va parler. Mathias? Assisez-vous, on va... Non, c'est pas ça. Réplique pour les éclairs. Il faudrait dire, assoyez-vous, on va parler. Ou asseyez-vous, si vous voulez. Asseyez ou assoyez. Deuxième question. Pour se déplacer, l'oiseau vole, le poisson nage. Que fait le ver de terre? Mathias? Rampe. Il rampe, c'est bon. Troisième. Quel qualificatif utilise-t-on pour désigner un événement qui revient à chaque année? Mathias? Une fête? Non. Réplique. C'est vrai que ça arrive souvent, une fois par année, là, mais non. Pour les éclairs? On dit que c'est un événement ou une fête annuelle. Quatrième question. Et c'est la dernière. Quel verbe exprime l'action d'appliquer des couleurs sur un dessin? Oui, Antoine? Le verbe appliquer. Appliquer quoi? Des couleurs, mais comment on dit ça? Non? Réplique. Quand tu mets des couleurs sur un dessin, hein, David, tu fais quoi? Colorier. Colorier, c'est en plein ça et c'est ça qu'on cherchait. Alors, bravo. Colorier, donc, appliquer des couleurs sur un dessin, c'est ça qui met un terme à notre match aujourd'hui et aussi à notre grande rencontre de deuxième année. On va applaudir nos joueurs, les cyclones et les éclairs de Saint-Joseph. Et le pointage final pour aujourd'hui, les éclairs, 11 points et les cyclones, 13 points. Très chaud, bravo. Thank you.
Bonjour, c'est le premier match de notre grande rencontre du Club des ingénieurs première année. Hey, les équipes en forme aujourd'hui, les quatre fantastiques du Prélude de Rouyn-Noranda avec Noé. Bonjour, Noé. Bonjour. Bonjour, Mara. Bonjour. Bonjour, Marianne. Bonjour. Et bonjour, Sarah-Ève. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Oui, bah, tant mieux. Vous avez une chance parce que vous allez jouer avec nos équipes de Air Fatima 2 de Val-d'Or, représentées par Émeric. Bonjour, Émeric. Allô. Bonjour, Loïc. Bonjour, Léla. Allô. Bonjour, Akila. Bonjour. Et bonjour, Yacine. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, oui. Tant mieux. Alors, Noé, c'est toi qui vas être le premier à choisir parmi les sujets suivants. Matière scolaire, appareil ou vocabulaire? Qu'est-ce que tu veux d'un 3? Vocabulaire. Ben, pourquoi pas? Alors, prenez votre manette. Tout le monde joue. Alors, je vous pose des questions sur le vocabulaire. Nomme les quatre saisons. Oui, Noé. Automne, hiver, été, printemps. Excellent. Deuxième question. Comment se nomme le meuble autour duquel on s'assoit pour prendre les repas? Oui, Marianne. Une table. Une table. Oui, c'est bon. Troisième question. Nomme les voyelles de l'alphabet. Oui, Mara. A, E, I, O, U, Y. Excellent. Et sur quel matériau cette question est-elle écrite? Oui, Marianne? Une feuille. Une feuille de quoi? C'est une feuille, c'est bon, une feuille de papier. Excellent, c'est ça qu'on cherchait. Émeric, tu vas choisir maintenant entre appareil ou matière scolaire? Appareil. Appareil, c'est collectif. Encore, tout le monde joue? Quel appareil utilise-t-on généralement le matin pour faire brunir des tranches de pain? Oui, Émeric? Grille-pain. Un grille-pain. Puis, sais-tu que tu aurais pu dire toaster? Oui. Ah, mais c'est... C'est anglais. Oui, c'est la même chose, mais toaster, c'est en anglais. C'est parce qu'on le trouve dans certains dictionnaires français. Qu'est-ce que tu veux? Deuxième question. Quel appareil électrique sert à conserver les aliments froids? Oui, Sarah-Ève? Un frigo. Un frigo, c'est bon. Ou un congélateur, ou un réfrigérateur, c'est bon. Troisième question. Quel appareil sert à faire du café? Marianne? Réplique pour l'autre équipe. Oui, Émeric? Machine à café. Machine à café, c'est bon. Quand tu as une grosse machine à café, on appelle ça comme ça. Puis si tu en as une petite, on pourrait l'appeler cafetière aussi. Une cafetière. Et tu t'en sers pour prendre des photos. De quoi on parle, Émeric? Appareil photo. Appareil photo, mais on aurait accepté aussi une caméra ou même un téléphone cellulaire ou une tablette ou en tout cas plein de choses qui servent à prendre des photos. Il nous reste un seul bloc dans cette première partie et c'est matière scolaire et ce sont des vis-à-vis. Alors la première question va être posée à Noé et Émeric seulement. OK? Fait que c'est juste pour vous deux. Voici la question. Il faut être vite. Cet instrument sert à mesurer ou encore à faire des lignes droites à l'école. Émeric? Une règle. Oui, c'est bon. On va voir Mara et Loïc, Esther. Pour vous deux seulement, comment se nomme l'objet que tu utilises pour écrire? Pour Mara? Crayon. Un crayon, c'est bon. Ou un stylo aussi, ça aurait été bon. Marianne et Leïla, à quoi servent des ciseaux? Marianne? Pour découper. Oui, c'est bon. Et Sarah-Ève et Akila, complète la phrase, OK? J'ai sac à dos. Manque un mot. Akila? J'ai un sac à dos. Un sac à dos, c'est beau. On reprend avec le deuxième bloc et un nouveau joueur qui s'est joint à l'équipe d'Air Fatima. Bonjour Yacine. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Oui. C'est ta manette pour voir si ça fonctionne? Ça fonctionne. Alors, je vais même te demander de choisir parmi les blocs suivants. Santé et sécurité. Jour, Dora l'exploratrice, bande dessinée ou petit et gros? Petit et gros. Petit et gros? C'est ça? Oui. OK. Fait que ça va être un rachat. Je vais commencer avec Noé. Mais déjà, j'avais donné le pointage du premier bloc. C'est une bonne partie serrée. C'est 5 à 7 en faveur du prélude. Alors, bravo pour les deux équipes. Mais on va continuer avec petit et gros. Noé, si tu as la bonne réponse, ça te donne 2 points.
Si tu n'as pas la bonne réponse, quelqu'un de ton équipe peut racheter pour un point. On y va. Alors, petit et gros. Quelle lettre muette, Noé, termine le mot petit? Non. Quelle lettre muette termine le mot petit? T. T, c'est bon pour deux points. Mara, comment se nomme la plus grosse dent en bouche? Comment on appelle la plus grosse dent? Les dents qui sont en arrière. La molaire. Exactement. C'est bon pour deux points. Marianne, comment se nomme le plus gros des doigts de pied? Essaye. Non, tu n'as pas d'idée? Quelqu'un le sait dans son équipe? Vous sonnez si vous le savez. Non? C'est le gros orteil ou le pouce du pied, si tu veux. Mais c'est le gros orteil. C'est le plus gros orteil qu'on a sur notre pied. Et pour Sarah-Ève, comment se nomme une petite ville? Non? Quelqu'un essaye quelque chose? Mara? Village. Un village, c'est bon pour un point. On fait la même chose avec Yacine et son équipe. Yacine, deux points pour la bonne réponse. Comment appelle-t-on le petit de la grenouille? Pas. On l'essaye dans son équipe. On rachète Loïc. Tétard. Tétard, c'est bon pour un point. Loïc, quelle est la dernière lettre du mot gros? Vas-y, Loïc. C'est pour Loïc. Non, ce n'est pas. C'est pour Loïc. Est-ce que tu essaies quelque chose? Non? OK. Là, oui. Vas-y, Leïla. C'est quelle lettre? S. S. C'est bon pour un point. Leïla, c'est à ton tour maintenant. Ah non, on ne sonne pas, là. Oh, enlève ton doigt. Enlève ton doigt. Bon, ça marche. Alors, pour Leïla, quelle partie du corps appelle-t-on aussi le gros bédon? Je ne sais pas. OK. Alors, quelqu'un dans son équipe le sait? Oui, Loïc? Bédaine. La bédaine. Oh, oh! Est-ce que tu as un autre nom pour remplacer la bédaine puis le gros bédon? C'est bon? Il y en a qui appelleraient ça aussi le ventre ou l'abdomen. Et pour Aquila, quelle partie de la tête nous permet de penser... oui, c'est ça. Nous permet de penser, de choisir ou de décider? Pour Aquila? Un cerveau. Un cerveau. Est-ce que tu as un cerveau? Oui, parfait. Bien, regarde, tu viens de le prouver que tu t'en es servi. Bravo, ça vaut deux points. Maintenant, c'est Noé qui va choisir entre santé et sécurité, jour, Dora l'exploratrice ou bande dessinée? Bande dessinée. Ça marche. Ce sont des collectifs. Tout le monde prend sa manette? On est prêt, on y va. Comment se nomme le chef des Schtroumpfs? Pour Leïla. Grand Schtroumpf. Grand Schtroumpf, c'est bon. Deuxième, à qui appartient le cheval Jolly Jumper? Noé. Lucky Luke. Oui, monsieur. Troisième question. Comment se nomme le chien dans Garfield, Leïla? Audi. Oui. Et Idéfix est le chien de qui? Pour Noé? Tintin. Non, Réplix. Réplix, plutôt. Oui, Yacine? Obélix. Oh. Obélix, oui, c'est bon. Bonne réponse. Yacine, c'est toi qui choisis entre santé et sécurité, jour ou Dora l'exploratrice? Jour. C'est un chassé-croisé. La première question, donc, va être posée à Noé et Aquila, juste pour vous deux. OK? C'est le plus vite des deux. On est prêt? On y va. On parle de jour. Combien y a-t-il d'heures dans un jour? Noé? 24. 24, c'est bon. Pour Mara et Leïla, pour vous deux seulement. Nomme un jour de la semaine où tu vas à l'école. Mara? Lundi. Lundi, c'est bon. Pour Marianne et Loïc, les plus longs mois de l'année comptent combien de jours? Il y en a plusieurs. Non? Oui, Marianne? 21. Non, réplique pour Loïc. 32.
Non plus. 31. C'est vrai que des fois, ça a l'air long, mais c'est juste 31. Et Sarah-Ève et Yacine, juste pour vous deux, combien y a-t-il de jours dans une année? Yacine? 365. Oui, écart. Mais c'est bon. 365, c'est excellent. On est rendu à Yacine qui choisit entre santé ou Dora l'exploratrice. Santé. Tu veux pas y aller avec Dora l'exploratrice. On va y aller pareil. C'est collectif. Tout le monde joue? Comment dois-tu sortir de la maison s'il y a de la fumée? Marianne? Ben, coucher. Coucher ou en rampant, c'est correct. Deuxième, nomme la protection que tu dois mettre sur tes genoux. Comment ça s'appelle, Yacine? Un protège-genoux. Oui, c'est bon. Ou encore, une genouillère, si on veut le dire dans un seul mot. Troisième, que dois-tu faire avec les bonbons d'Halloween avant de les manger? Pour Aquila? Les checks. Tes checks? Excellent! Faut les montrer à un adulte et vérifie. Oh. C'est bon. Et nomme un légume qui commence par la lettre C. Yacine? Carotte. Carotte, c'est bon. Et il y en avait d'autres, bien sûr. Et là, devine qu'est-ce qu'on va faire, Yacine? On va parler de Dora l'exploratrice. Mais c'est une association. On va vous donner une feuille avec des personnages de Dora l'exploratrice et on va vous demander de faire une ligne jusqu'à leur nom. OK? Et il y en a un qu'on n'a pas mis son nom. Il s'appelle À trouver. Alors, il faudra écrire le nom de ce personnage-là. Ça marche? On vous donne les feuilles? OK. Tournez la feuille et vous pouvez travailler en équipe, vous aider et vous allez faire trois belles lignes qui vont relier le nom au personnage et vous allez rajouter le nom du personnage qui manque. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi prévention jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord et Desjardins. On n'est pas sûr qu'on l'a bien écrit, mais... Bon, OK. Bien, peut-être qu'on va être généreux si vous avez fait une faute d'orthographe. On ne sera pas pointilleux là-dessus. On va corriger ensemble, OK? Alors, le premier personnage, c'était qui? C'est qui? Dites-le. Babouche. Babouche, oui, c'est bon. Le deuxième personnage... Shipper, exactement. Et qui est le troisième? Totor. Et vous l'avez eu, tout le monde, je pense bien. Bien, bravo. 19 à 20 en faveur de R. Fatima de Val-d'Or. Félicitations les joueurs, merci chez vous. Et voici les cadeaux que nos jeunes vont se mériter et vont gagner cet après-midi.